Salut à tous et à toutes, ici Mister Ouh. Donc aujourd'hui nous allons jouer à Animal Crossing. Animal Crossing sur Switch. Donc ce qui se passe, c'est que en fait j'utilise un vidéoprojecteur pour faire mes vidéos parce que je peux pas faire autrement. Et je me mets juste à côté du vidéoprojecteur et je dois juste éviter de trop bouger pour galérer et tenir surtout mes manettes droites parce que là je les tiens de travers. Donc normalement le son doit être correct, hein. Le son est derrière pour la musique, au pire on peut la diminuer un peu parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit aussi forte. Enfin je sais pas si elle est forte en fait. Voilà, je la mets à 30%, on l'entend quand même, mais on m'entend surtout plus moi en fait. Parce que comme je suis un peu loin, j'ai peur qu'on m'entende mal. Donc voilà, ici on est sur Animal Crossing, logique. Aujourd'hui en fait, ce qui se passe, c'est que il y a les trucs de jardin là. Alors déjà, j'ai mon truc de kéké, c'est déjà pas mal. Donc oui, c'est chiant de devoir mettre vidéoprojecteur en marche. Enfin non, c'est pas chiant, mais c'est... Ben ça va, mais c'est chiant pour la caméra en fait, je vous explique, parce que ça se fait, c'est un peu de travers. Et vous m'en excuserez vraiment, hein, ça c'est pas ma faute. C'est pas pratique, puisqu'elle est mise sur une sorte de petit truc qui permet de... Elle est au-dessus du vidéoprojecteur en fait. Je vous fais un peu visiter ma ville aussi, c'est chouette. Ce qui est bien à ce moment-là, c'est que j'ai pas de temps, de gain de temps limite, entre guillemets. Je fais autant de fois que je veux. J'ai 30 minutes là au moins. Même plus. Hein. Et ça c'est cool quoi. Je peux vraiment vous faire des vidéos ultra longues. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va tout simplement... Hop, j'espère que vous m'entendez. Ce serait bien con que vous m'entendez pas. Normalement oui. Puisque le micro de la webcam doit être suffisamment bonne. De ma caméra parce que c'est... Pardon, je filme avec une Leguia HD machin là. C'est une c'est une Canon Leguia. Et oui, le jeu est cadencé. Là, vous allez je vous rassure tout de suite, hein, mon caméscope ne fait pas plus de 25 FPS. Donc oui, du coup, c'est pas ultra fluide de la mort qui tue, mais ça va, ça regarde quand même. Mais chez moi, le vidéoprojecteur, lui, il fait du 480p, 60 fps, hein, sans souci. Donc chez moi, c'est fluide, il n'y a pas de problème. C'est du 480p quand même, hein, parce que c'est un vidéoprojecteur que j'ai payé dans les 67€. Mais voilà. Ah oui, je voulais dire. Vous allez voir. C'est ça. Ok. Je vous montre un peu tous les trucs que j'ai. Je vais vous montrer aussi de retour chez moi. J'ai un peu modifié certaines choses. Donc là, vous avez la wouhou détente. Trop cool. Trop cool. Je regarde le temps en même temps, c'est pratique. Alors là, vous avez pas mal de trucs. Vous avez... Comme on dit, on fait avec les moyens du bord. J'ai pas de vidéo. J'ai pas de Avermedia en fait. J'ai dû le revendre. J'en avais un à l'époque, mais. Tiens, Runa. Le petit coquinou. Écoute-toi. Loin de m'aider, nanana, de te brosser les dents, non. Bah ça va, je regarde sur la caméra, ça a l'air de... Donc c'est normal si chez vous c'est un peu légèrement plus rétréci, la caméra ne filme pas non plus à 100% tout. Je veux dire peut-être que chez vous il manque un peu l'arbre, c'est ce que je vois. Normalement vous devez avoir un champ de vision plus grand, mais vous en avez un tout petit peu plus petit, c'est normal. C'est pas un bug, c'est parce que je peux pas faire autrement. Hein. N'oubliez pas, je filme avec un caméscope sur un vidéoprojecteur. Donc c'est normal qu'il y a des choses qui sont pas faisables. Mais au moins, ça passe quand même. Ça fait taf quand même.
Surtout que la caméra, elle corrige les couleurs, donc ça va quoi. Excusez-moi si vous entendez ma voix de faire un va-et-vient, c'est parce que je vérifie en fait si tout va bien. Je crois pas mon intuition me discutait de venir à l'étoile scintillante, mais c'est que des coïncidences, c'est sur mon destin. Quoi? Espèce de ronron. C'est pas un ronron, c'est un wou, mais bon. T'es bizarre, Runar, quand même. T'es pas censé avoir une tante, non? Non? C'est quoi qui m'a donné? Le truc, tu pourrais le mettre dans l'autre sens, s'il te plaît? Ah! Trop bien! Une toile de Zonda. Bon bah on va donner un petit bout. Je t'ai poussé. Oui toi je t'ai vu. Hier t'étais pas là toi Miss. Hein. Bon c'est peut-être parce que je m'avais connecté avant. En fait hier si vous voulez quand j'ai commencé à jouer au jeu. Ben en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais dans le jeu direct. J'ai pas attendu que la connexion. Vous savez quand vous allumez votre console vous pouvez attendre que la connexion vienne et tout ça. Ou direct appuyer hein, dès que vous êtes à l'écran. Appuyer sur le jeu et ne pas attendre. Il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais du coup, j'ai fait ça et du coup, la mise à jour n'a pas pu venir à temps. Puisque ça n'a pas pu vérifier quand j'étais déjà dans le jeu. Quoi. Du coup, je vois après, en quittant, en sauvegardant, je vois que ça me met qu'il y a une mise à jour. Donc, j'ai quitté normalement en sauvegardant et tout ça. Donc, je quitte. On était 23 avril. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, tiens... C'est juste, il y a cette histoire de nouvelles personnes. Je regarde, elle n'est pas là. La paresseuse n'est pas là. Je me dis, oh dommage. Mais en fait, c'est juste que je devais attendre le lendemain. Puisque, en fait, comme j'étais déjà rentré dans le jeu, ben du coup, ils le disaient eux-mêmes, ils modifiaient la save. Ils ne pouvaient pas ajouter le personnage parce que j'étais déjà été dans le jeu. Donc, l'état du jeu, entre guillemets, était déjà enregistré. Donc, c'était pas possible de mettre le personnage aujourd'hui. Donc, par la suite, c'est le lendemain que je l'ai eu, donc aujourd'hui. Mais bon, ça va, c'est pas grave. On va voir si c'est un fake. Est-ce que c'est une fausse? Voilà, donc j'ai activé le mode art machin truc mûche. En donnant la touche de Van Gogh. Van Gogh. De tout truc. J'ai dit de tout truc. Avec joli choix pour. Non. Bon, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah cool, une mimique. Ah non. Encore? J'ai déjà. C'est quoi? C'est les gros ballons? J'en fais collection. J'en ai deux couleurs. Je suis désolé, mais je vais devoir le revendre. Le gros connard, tu sais. Deux trucs.
Mais j'ai rien demandé, nique ta mare, le au canard. Regardez mes jolis Wuhu stand. Magnifique Wuhu stand. Une Wuhu pancarte. Je fais un peu visiter encore. Oui, moi je joue normalement, donc je n'accélère pas les jours, donc j'ai pas encore le permis de construction et de buildage, là qu'on peut changer les sols et tout ça, etc., etc. Et qu'on peut détruire les falaises. Donc du coup, je fais temporairement comme ça. Tout ça, ça va être changé quand j'aurai le permis. Alors là, c'est mes œuvres d'art, on s'en bat un peu les cacachouettes pour l'instant, c'est pas ça que je voulais montrer. Là, vous avez une section camping, là vous avez une section... asiatique, enfin japonaise, où comme par hasard Runard s'y promène, c'est paranormal, comment il sait que c'était sa zone? Non, je déconne. Donc voilà, là vous avez un joli Wuhu Chouapeau. Quel magnifique Chouapeau que je n'ai pas. Encore un Chouapeau. Des Wuhu contents. Alors. Des Wuhu jolis Chouapeaux. Oh, quel joli Chouapeau. Des Wuhu Transad. C'est magnifique. Je suis ému de tant de Wuhu. Un Wuhu. Et Chibaba. En noir et blanc, MDR. De base, en fait, c'est un de mes dessins, Chibaba. C'est le dessin que vous voyez là. C'est un de mes dessins, en fait. C'est tous mes dessins. Et en fait, si vous voulez, du coup, je dis c'est Chihuahua, puisque c'est un Chihuahua à poil. Enfin, c'est le même Chihuahua que dans le jeu qui est utilisé pour Chihuahua, quoi. Attendez, parce que j'essaie d'accéder à mon smartphone, mais je sais plus comment faire. Ici, je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai. Bon, par contre, j'ai jamais compris, mais ici, ça apparaît d'une couleur verte, mais en vrai, c'est pas vert, hein, c'est bleu. Regardez par vous-même. Ah mais non, oui, là. Ouais, bon, c'est un peu verdâtre, mais pas à ce point-là quand même. Je pense qu'il y a quand même un petit souci de nuance. Bon, on continue. Je vérifie un peu si la caméra va bien. Ça a l'air de bien filmer, tout à l'heure. Je sais que c'est pas ultra fluide, hein. Je m'en excuse déjà d'avance. Puisque c'est 25 images par seconde et c'est pas ouf. Mais je peux pas, je voudrais bien mettre l'Allegria à 30, mais elle peut pas faire à 30. C'est une Allegria, Canon Allegria HD, je sais plus quoi là. Ta gueule le truc. Machin qui s'est pété la gueule. Attendez, je vais vous dire c'est combien. Ouais voilà, c'est une Allegria HFR38. Allegria HF R38. Et en fait, si vous voulez, bah, c'est à cette. En tout cas, j'ai pas trouvé. C'est que tu peux faire que 25 fps maximum. Et pour avoir 1080, en plus, t'es obligé de passer en MTS. Sinon, c'est du 720 pour la version YouTube. Pour la version MP4 par défaut, si t'es un noob. Du coup, moi, je fais ça. Je filme c'est des fichiers MTS ici. Mais ça va, j'ai pas de soucis avec. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si au cas où il y a trop de problèmes, je l'ai reconverti avec Unbreaket. Unbreak, c'est un logiciel de c'est un convertisseur. Et alors, avec celui-là, bah, c'est ce qui me permet. Voilà quoi. Ah oui, on va aller voir la boutique de. On va voir qu'est-ce qu'il vend. Intéresse. Pourquoi tu me dis que techniquement, il s'est vendu plus de putain. Bon, vu que c'est Animal Crossing, je pense que ça gêne pas plus que ça. Oui, je vais tourner couteau. Ah, waouh, c'est clair là. Oui, je suis un acheteur incompulsif, donc ah, j'ai pas vu ça. C'est quoi? Ah, le pique-nique. Repars, pique-nique. Donne-moi.
Attends, j'achète ça, mais je te revendrai peut-être ou pas. J'achète. Achète ma tunasse, achète. Enfin, prends ma tunasse. Merci. Merci. J'ai une amie qui va normalement peut-être me donner des bambous. Et non, je parle pas de la fille dans Rat de main à demi, MDR. Alors, c'est par deux. Je sais, c'est pas drôle, c'est complètement nul, mais moi c'est pas grave. Le mec qui essaie de faire des blagues. Mais c'est complètement pourri. Bon, alors. On va un peu visiter ma maison. Ça sera, ça, la vidéo durera peut-être 28 minutes, un truc dans le genre. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Le seul truc que je vais faire, c'est voir si je sais pas rehausser un peu les couleurs dans le truc et tout. Mais j'ai pas un gros bazar à faire. Je vais juste quand j'ai Sport sous mon PC, je vais la mettre dans. Je vais la faire passer par un bracket, un logiciel de convertition. Ouais. C'est un converteur et en même temps il désalourdit les fichiers, donc les vidéos, etc. Surtout les vidéos, je pense. Et du coup, enfin, sans emballer sur quelque chose de ma vie. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aussi faire un traitement spécial qui fait. Ça s'appelle le truc qui permet de filer des anti. Allez, anti-bruit, vous savez, ça fait un double filtre sur les propres. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça permet de rajouter une espèce de lueur, d'amélioration colométrique, quoi. Enfin, oui et non, mais je sais pas, peut-être que ça fait qu'on voit moins les pixels ou pas. Peut-être que je dis de la merde aussi. Peut-être que ça va en fait. Enfin voilà, soit. Je vous présente ma maison de Wouwou. Regardez ces jolis trucs que je suis poté. C'est un prêt de style, ça. C'est poli. Voilà. Des Wouwou chapeaux. Magnifique. Je suis ému de tant de beauté. Et on peut aller voir ma. Alors, ça, c'est mon Nusnus. C'est mon petit Wouwou. C'est mon loulou de Porémaniart avant. Et ça, c'est mon ronron. C'est Candia, elle s'appelle. C'est mon bébé. Pas touche à mon bébé. Pas touche à mon Wouwou non plus. Hein. Mais où? Non, non. Sinon, Wouwou FBI apparition. Alors. Le Wouwou FBI est juste sur votre droite en icône. C'est lui qui vous surveille. Attention. C'est les Wouwou Chouapou. Ils sont très très FBI. Ils sont très très FBI. Ils sont partout. Regarde même là. Là, ils sont. Regardez. Merde. Un Wouwou FBI là. Voilà. Alors cette machine-là m'a coûté 77 000 machins là. Je sais même pas l'activer. Qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. C'est une machine à laver quoi. Non, pas plus. Merci. Comment ça tu veux pas se placer? Ça marche. Mais oui, c'est bien, oui, voilà, parfait. Oh putain, c'est parfait. Vous voyez, j'ai accès à ma machine, c'est parfait. Je suis très satisfait. Par contre, voilà, de retour mode soir. Ici, on est en mode soirée. C'est parfait tout ça. Bah, de toute façon, la pièce là, je n'y touche pas. J'aime beaucoup cette machine. Elle me plaît beaucoup. Oui, après, vous allez me dire, c'est dommage, t'as pas ton propre truc. Il faudrait que je fasse une préparation dehors. Quand j'aurai une deuxième pièce, en fait, la deuxième pièce, je vais l'utiliser pour faire une cuisine, peut-être, ou pas, ou un jardin, j'en sais rien, je sais pas, je verrai. En tout cas, j'ai que ça en fait, parce que je m'occupe souvent de faire des trucs dehors. Techniquement, à vrai vie, ce serait suffisant pour moi, je suis pas difficile. Vivre dans un studio, ça me va. Ah non, il pleut.
j'ai une sucicette. J'ai une sucidade. Allez, espèce de roux. Oh, mais tu gênes. Mais tu gênes toujours. Merci, c'est gentil. Bande de roux. Bon, j'aimerais bien voir ma chérie, moi. Ah, ma chérie. Allons voir ma chérie avant de partir. Ah, elle est occupée. Coucou chérie. C'est ma favorite. Qu'est-ce que tu fais? Manteau en paille. Oh, elle est trop chou. C'est moi qui vais lui donner la robe en bonbon. En même temps, je lui donne tout ce qui est des trucs de fille parce que je suis pas une fille. Donc. Et aussi parce que j'aime bien lui faire des cadeaux, mon petit. Wouhou à moi. Elle est aussi plantée que moi. Petit wouhou. Ah oui. Je veux ton odeur. Le mec qui a des problèmes psychologiques. Voilà. Techniquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon. Alors. Des wouhou souvenirs. Alors. Oula, c'était quoi ça? Ah oui. Ah oui, on a un visiteur. Bon, par contre, je vous préviens, s'il est moche comme l'autre, je vais vous montrer l'autre que j'ai. Je vais vous montrer l'autre que j'ai. Alors, l'autre visiteur que j'ai, c'est lui. On se dépêche. Vous avez vu, Poli est là. Il est partout, Poli. C'est notre gardien de la zone. Alors là, vous avez un wouhou passage. On sait que c'est wouhou entreprise très très tout tout, tout ça, très très tout tout. Voilà, vous avez cette moucheté là qui habite ici. C'est le pingouin. C'est un manchot, pardon. Un pingouin, ça vole. Un manchot, c'est un manchot, pas un pingouin. Enfin, ben pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Bonjour, cher ami, bienvenue. Et qui j'ai l'honneur? Oula. C'est à vous. Facile. Que avant votre arrivée, c'est grand. Thank you.